Eh bien, on se retrouve avec Reb au deuxième break de la journée. Une Reb qu'on vient de retrouver toute souriante, avec une pile de jetons qu'on n'avait pas vu devant elle 5 minutes avant. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Reb? Ben, comme je t'ai dit, j'ai fait une dark course, ou je sais pas, où j'ai urinisé le leadership, je sais pas comment on peut dire ça. Il y a un mec qui mini-race tout le temps, UTG, UTG3, et là je commence un petit peu à m'énerver. Tout le monde passe et je suis en small blend, j'ai dame 8 de pique, je le tribette à 5007. Et là, le leadership qui est juste à côté de moi en grosse blend, il regarde... Le Danois, Petersen. Ouais, ouais, super agro. Il regarde mon stack, il me dit combien de chats, donc là je me décompose. Je lui montre mon stack et il just call. Là, le mini-race fold. Donc le flop, c'est... Tout ce que j'aime, c'est As de carreau, valet de pique et 2 de cœur. T'es énorme sur le flop. J'ai le net. Donc je me démonte pas, je fais ma C-bet à environ demi-pot. Il réfléchit, colle. La turn, ça m'ouvre le tirage pique et le tirage ken, c'est-à-dire que il me donne, attends, je vais te dire ça. Alors j'ai As, valet, un 10 de pique. Ah oui, là t'es donc, pas mal. Là, ouais. Je suis pas mal. Là t'es pas mal. Je recommence, un deuxième barrel, il colle, et la rivière magique, le roi. Wow. Donc là, je réfléchis, je compte mes jetons, il me reste pas grand-chose, tout ça. Et je fais pas grand-chose avec toi, on va préciser, parce que pas grand-chose, ouais, c'est quoi bon, c'est 30 000 reste, Non, il me reste quand même 50 000. Ah oui, donc c'est pas grand-chose, ouais. Ouais, bon. Ouais. Et là, je mets juste, moi, je réfléchis, tout ça, je suis pas très contente, je fais moitié pot, et il met sa colle. Il me dit tiens As-Dame, je fais ouais on va dire ça, et je lui montre dame 8 de pique, et voilà, et je monte à 125K. Et il paye, et il est énervé, et maintenant tu as une image énervé, à l'attaque qui est un peu bizarre. Donc là si je tribette, j'ai les notes, je te dis la vérité, parce que là je vais me faire un peu oublier. Ouais. Bon bah c'est super, on est à deux fois la moyenne. Ouais, je suis bien ça. On continue comme ça. Ouais. Avec les gâteaux de Mamie Léa. Voilà. Alors j'ai plein de demandes sur Facebook. C'est quoi la recette des gâteaux de Mamie Léa? On leur dira après. C'est seulement des croquants, à la fin. Ça s'appelle des croquants, c'est excellent au café au lait. Voilà. Et bah super, on est super heureux. Et on fonce jusqu'à la fin du D2 comme ça. A plus tard. A plus.